Salut tout le monde, c'est Lucas. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le premier reset système de la chaîne. Donc c'est parti, on va parler de je sais pas parce que j'ai pas dit le titre. Mais on se voit après le générique. Alors les amis, salut tout le monde, c'est Mister Flash. Non, c'est pas moi. Vous avez cru, bah c'était moi, Lucas 3.0. Et aujourd'hui, on va parler d'un mème, bien évidemment en particulier, dans cette section de Reset System. Aujourd'hui, on va parler de Big Floppa. Alors Big Floppa, c'est un chat caracal qui est devenu un mème en 2017 quand quelqu'un a posté une photo de son chat sur Instagram. Et ouais, ça c'est pas foufou ça, hein. Mais bon, vous savez quoi, je vais vous donner des trucs. Mais c'est chiant parce que là, je ne trouve rien pour Big Floppa, c'est horrible. Mais bon, je vais essayer de faire en sorte de pas payer un don mensuel. Voilà. Donc du coup, Big Floppa a été né en 2017, le 21 décembre, et c'est un caracal. Et ils disent même que c'est qu'il voulait être un mème internet. Et l'histoire de Big Floppa, il a été avec son copain Justin, un chat qui est plutôt lambda hein, à son âge. Et après, ils ont donné le Floppa Friday. Maintenant, je vais laisser à mon collègue qui est comme Hermine de Mister Flash, mais c'est pas le même. Il s'appelle, vous allez voir le nom. Nyx, tu me reçois? Je te reçois 5 sur 5, Lucas. De toute façon, il n'y a pas d'ombre qui peut nous grouiller parce qu'on est à 300 km d'ici. Ah bah ouais, parce que toi, en fait, tu veux parler quoi du même Big Floppa? Ah bah oui, c'est simple. En gros, en fait, Big Floppa, en fait, c'est un chat caracal qui est né en 2017. Non, on l'a déjà dit. Ah d'accord. En fait, c'est un mème plutôt sympathique. En fait, que Lucas collectionne. Il a plein de peluches de ça. Oui, bon, je pourrais vous montrer des images en fin de vidéo si vous voulez. Ah bah oui, après le générique. Ouais, ok. De toute façon, t'as que ça à dire. Ouais. Bon bah, on revient sur le plan. Non, du coup, Big Floppa. Du coup, il fête le Floppa Friday, comme je vous le disais. Et il est ami de certains mèmes, comme Doge, qu'on parlera peut-être dans le Reset System numéro 2, Soga et Bingus, que je parlerai, je pense, dans le Reset System numéro 3, qui sera dimanche. Et pour Doge, ce sera samedi. Voilà, parce que maintenant, les Reset System, ils seront du mercredi, samedi et dimanche, voilà, comme la série Squishmallow qu'on fera après cette vidéo. Et donc du coup, Big Floppa, il est très beau, voilà, c'est un petit chat tout mignon, voilà, qu'on adore, et je vais vous montrer quelques petites images, voilà. Voilà, le petit Big Floppa, par exemple celui-là, avec sa pastèque tout mignon, et son ami Justin. Ah, tu veux dire Justin, tu veux dire les bonnes quiches au quinoa qui peut s'acheter à 30 euros chez Leclerc? Non, mais tu rigoles, c'est pas ça, c'est un chat. Et du coup, ce mème, il est très connu parce que quand même, il date de 2017, mais son règne a duré que environ 5 ans. Donc, c'est pas énorme parce, en termes de mème. Je en parlerai d'autres la semaine prochaine, là, bien évidemment. Parce qu'il y aura le mème de Grimace et de Skibidi Toilette. Bon, je ferai un épisode entier consacré à lui. Mais pour le moment, pour Big Floppa, son règne est plus ou moins terminé. Même si vous pouvez toujours acheter des peluches ou des t-shirts à son effigie. Même un chez vous d'ailleurs. Mais attention aux enfants parce qu'ils ont quand même très peur de ce truc. Et ça, c'est quand même pas si foufou que ça. Vous voyez ce mème qui dit t'as dit quoi là? Ouais. Big Floppa il est pas content là. Et donc du coup c'est quand même ouais. Ils ont fait même une collab avec Mario. Oui, j'adore Mario. Et de toute façon comme ça ton petit poteau Pepito va comprendre que Floppa était en fait un humain. Et du coup il aime bien. Et du coup il va aimer Mario. Et comme ça il va tout exploiter. Et Nyx, c'est un peu bizarre ce que tu dis hein. Ouais, t'inquiète pas, je t'aimerais un pote la prochaine fois. Ok. Et donc, du coup, ce mème, il est très connu quand même. Donc, comme je vous le disais, il y avait une minute ou plus, quoi.
Et quand même, vous voyez, il y a d'autres mèmes, hein, que je vous en parlerai très bientôt. Il y aura Bingus, Swingus, Zabwing, qui est un peu le copain de Floppa également. Mickaël plutôt, et Smudge. Évidemment, celui qui n'aime pas les légumes. Et ça, c'est bon pour la santé. Et même ce petit Floppa, qui est là, qui est un peu triste, hein, j'aime bien. Enfin, quand il est comme ça me fait trop rire. Donc voilà, et il est même jouable dans Friday Night Funkin', bien évidemment, à côté de ses autres mèmes comme Doge ou Bingus. Mais Bingus, il est jouable pour le joueur, mais Floppa, c'est plus pour l'ennemi. Voilà, ils ont fait même une collab avec McDo, vous voyez, Floppa avec sa petite casquette de McDo, son Happy Meal, ses deux Big Mac et ses glaces, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, Nyx, tu veux dire quoi à propos de Poto? Ah bah oui, parce que je voulais pas en parler pour pas gâcher ton reset système. Mais en gros, en fait, mon poteau, tu vas voir, il va apparaître à l'écran. Et vous allez voir, c'est vraiment de la magie. Voilà, vous avez vu, il a apparu comme par magie. Et bah oui, et il s'appelle comment? Il s'appelle Yara, c'est mon poteau qui l'a confectionné. Bonjour. Ah, ça c'est Yara, et d'ailleurs il répète tout ce que tu dis. Par exemple, attends, vous savez quoi, je vais essayer. Ça sera bientôt la fin du reset système. C'est bientôt la fin du reset système. Ah, par contre, je suis un peu buggé. Ah, bah oui, hein, parce que par contre, de bouger à chaque fois, nous, de gauche à droite, c'est quand même très dur. Mais ne vous inquiétez pas, les gars, il y aura moins de problèmes pour le reset système 2, je pense. Ok, donc du coup, dernière chose à parler de Big Floppa. C'est que ce même a fait quand même beaucoup de collabs. Vous voyez, il y a des collabs avec McDo, Halloween, Burger King, même. Regardez le pot pour mettre les boissons et sur sa tête. C'est quand même très mignon. Et ça, on adore. Hein. Et regardez, attends, je vais vous montrer la gueule de Big Floppa quand il monte ses dents. Je ne sais pas où il est, mais. Mais bon, je ne sais pas où il est, mais c'est. Mais je. Je vais vous montrer, voilà. Et il doit être pas loin. Bon, il faudrait que. Et d'ailleurs, je vous ai parlé, pas parlé du même Acker aussi, qui ressemble un peu comme Floppa, mais bon, je vais pas faire toutes les alternatives de ce même, parce que la vidéo risque d'être longue, etc. etc. C'est pas comme les 20 minutes de la série Squishmallow qui commencera bientôt. Donc, du coup. Dernière chose à parler de ce mème, c'est que bah, il est très drôle, hein, il y a beaucoup de vidéos postées avec lui, et ça, c'est plutôt pas mal. Bon, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu, mais avant, je vais vous laisser la parole à nos deux copains. Ah, par contre, oui, mais attends, bah d'ailleurs, je vais vous dire aussi. Que Lucas a un Discord. Il s'appelle Lucas 3.0 hashtag 2785. Vous inquiétez pas, c'est pour lui demander mon ami. Et sinon, sa chaîne YouTube, c'est Lucas 3.0. N'hésitez pas à l'abonner à sa chaîne. Et bien évidemment, il est jouable sur tous les jeux. Donc quasiment Suspect Manoir, Zoba, Brawl Stars, tout ce que vous voulez. Bon, même pas. Il y a aussi Roblox, hein, mais bon, on s'en fout. Hein? T'as dit quoi là? T'as dit quoi? T'as dit que Roblox c'est inutile? Wow, arrête avec ton accent italien, parce que toi t'es moche, hein. De toute façon, il va virer comme par magie, vous allez voir. Voilà, il a disparu comme par magie, comme il est apparu. Bon bah du coup voilà pour la outro. Maintenant c'est parti. Alors si vous revoyez la musique du générique du début, c'est normal. Mais en tout cas. Nous, ce qu'on va faire, moi je vais disparaître aussi. Vous allez voir la magie. Et voilà, les deux ont disparu comme par magie. Bon, en attendant, je vais vous montrer quelques images de mes peluches. Je sais pas si ça va fonctionner. Mais, non, ça c'est ma tête. Voilà, il y a mes petites peluches. Voilà, qui sont juste là. Et là, il y a ma peluche Floppa. Elle est toute douce. Et ce truc. Voilà, il y a même le générique du début qui s'est lancé. Voilà. Ouais, j'adore. Mais vraiment, c'est ouf, hein, c'est tout ce truc. Voilà, donc. Non, voilà, bon, je sais que il y a la voix de Mister Flèche, mais bon. Donc maintenant, je vous laisse.